Les monstres cachés de Hokehazama. Une mèche de samouraï, arc de maître archer, cuirasse de maître archer, braconnière de maître archer. Quelle surprise, je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient accepter une bande d'étrangers comme ça, sans même connaître nos antécédents. Je suppose qu'ils ont été impressionnés par ce bon vieux Tokishiro et par ton Cleaninger K110. D'un autre côté, je vois que la situation est tendue ici. Des forces ennemies considérables s'avancent vers nous. On dirait, mais cela ne va pas t'empêcher d'aller de gagner ton salaire, non? Moi, croiser le fer avec d'anciens camarades ne m'intéresse pas. Non, je vous laisse vous en occuper. Mumio. Eh, stylé Mumio, hein. J'aime beaucoup sa cape en plume de corbeau démoniaque. Cette musique est trop bien, je la remets. Poète, 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 poète. Parce que là, elle jurait parce qu'il y avait une musique en fond du jeu. Je devrais désactiver la musique du jeu, il n'y en a pas des musiques. Trop quelqu'un. Je ne suis personne, tu le sais très bien. Mais, on fait avec. Merci. Ono Nobunaga ni inochi wa azuke yo. Nerau wa teki no taisho, Yoshimoto no kubi. Et moi aussi je veux un canasson. Such a man. Ouais, il a un loup, c'est son esprit protecteur. Comme moi, j'avais un... On avait choisi un loup à la place du pigeon et du requin au début. Mais là, moi, mon esprit protecteur, c'est un serpent. Mais le tien... Bah moi, j'ai un... Mais lui, il a un loup de foudre. J'imagine que c'est différent. Mais là, si tu regardes à gauche de ma barre de vie, j'ai un serpent. Mais pourquoi? Bah parce que dans son kokoro intérieur, il se voit comme un loup. Voilà, c'est... Il y a un RP, mais je me rappelle plus c'est quoi le RP du truc. Alors maintenant, on va voir ce que donne le glaive. Enfin, moi j'appelle ça la faux. Dans un niveau où j'ai pas le niveau, quoi. Dans un nouveau stage. Oh, regardez, il y a qu'un seul Kodama parce qu'il est tout seul. Je vais trouver tes amis. Je vais trouver tes amis Kodama. J'espère que je suis pas trop chiant quand je fais cette voix, mais je peux pas en empêcher quand je vois des Kodama et des petits esprits et des petits personnages mignons dans les vidéos. Retire ton serpent et remets ton loup. Oh là là. Mais le loup c'est Makami. Alors que Shiroami, c'est forcément au-dessus d'un Makami. Un Makami, on dirait le nom d'un sushi. Alors que Shiroami, tout de suite, il y a plus de syllabes. Alors que Masaru, c'est une soupe de légumes. Alors que Shiroami... Je veux dire, Shiroami, c'est mon ami quelque part. Alors que Makami, c'est qu'un ami, tu vois, c'est qu'un ami. Bref. J'arrête tout dans la vie. Alors si je fais site de repos, je peux faire rite de repos, les trucs bas level que j'ai looté, non? Rite de repos. Niveau 9, rite de repos. Podenki. Vous avez trouvé un nouvel objet dans votre inventaire. Matériau utilisé pour les forgerons de travail. Un Podenki. Alors, Ippon Datara, j'en ai un niveau 14. Je peux le rite de repos. Yes. Préparer les jutsu. J'ai des bombes de fumée. Je peux faire une bombe si je fais moins de shuriken. Ah, ça coûte 3. Si je fais 2 bombes, ça coûte 6. Ah, mais putain, ça coûte tellement cher.
Attendez, de toute façon, moi, je... Bon, ah, c'est une bombe de fumée. Non, mais c'est de la merde. Du coup, on refait comme on était. Un parchemin de course. Trois bombes. Six shurikens. Et là, talisman d'eau, talisman débilitant. Ouais. Quoique l'électricité, ça a l'air d'être électricité ici. Alors l'eau, c'est une mauvaise idée. On va prendre du feu plutôt. Par contre, on va faire plutôt 3 talismans de feu. Hein. Comme ça, je peux les utiliser pendant le stage. Voilà. Et est-ce que, attendez, est-ce que tout a un raccourci? Talisman de feu, ça a un raccourci. Tigre, bombe, ça a pas de raccourci. Et même Shuriken, ça a pas de raccourci. C'est bon. Et bonus, on s'en fout. Changer d'esprit, non. Monter de niveau, je peux pas. Je suis comment en niveau? Encore un point en courage, après j'arrête. Et puis je mets le reste. Pourquoi t'es jaloux? Oh, je suis jaloux du loup. Tellement. Tu m'as démasqué. Oh, c'est qui lui? Pourquoi il me bloque? Passez cette montagne pour vous retrouver tout près des forces du clan Inagawa. Ce serait du suicide que de le tenter. Cet endroit est grouille de yokai. Emote. D'accord, mais je lui dis, c'est ok, t'inquiète. Laisse-moi passer. Et que je m'écarte. Oui. Oui, écarte-toi. Bon, d'accord, ramène ton cul. Faut mal parler aux gens, c'est comme Elnot en fait. Faut mal parler aux gens pour qu'ils comprennent. Sinon, ils ne comprennent pas. J'ai fait des emotes bleues et jaunes, c'est des emotes gentilles. Et les emotes rouges, c'est des emotes méchantes. Et c'est quand j'ai fait l'émote méchante qu'il s'est écarté. Bah, les jaunes, c'est un peu. Je me rappelle bien, les jaunes, c'est lesquels au mieux? C'est pour diriger quoi, siffler par ici, temps mort, déçu. Alors que les autres, c'est genre GG, top là, à ton service, GG, rien que s'incliner. Et en fait, t'as des murs. Alors voyez ces chauves-souris, c'est comme dans le 1. Si j'avais pas reculé, elle m'aurait tapé et je serais tombé dans le vide. Comme ça, vous vous rendez compte que là, je viens d'éviter la mort quoi. Avec un pas en arrière. The réflexe. C'était vraiment un bon réflexe. Hein. En fait, t'as des murs un peu comme les portes qui te parlent en fable. Tu peux pas faire des doigts d'honneur comme dans fable. Non, putain, on a pensé tout de la fable comme exemple. Et moi, je disais, il y a les portes qui te disent fais des trucs dans fable. Dans ce jeu, t'as des portes qui te regardent. Et selon l'emote que tu fais, elles te laissent passer ou pas. Et si tu leur fais chier avec les emotes, elles t'attaquent et elles sont assez énervées. Hein. Elles sont très fortes. Ce stage me rappelle beaucoup un stage dans le 2. Dans le 1, je veux dire. Franchement, ils ont repris les mêmes niveaux. Hein. Mais on s'amuse. Alors maintenant que la cutscene est passée, on remet la musique. Si ça se trouve, il y a une emote de doigt d'honneur. Hein. Juste que je la connais pas. Là, ils sont trois, hein, les bâtards. T'as un truc. Putain.
Il y a un truc qu'il faut pas que j'oublie, c'est que ma touche R1, des fois j'appuie dessus, mais tellement rapidement, et je la relâche tout de suite que je fais la manip comme si j'avais pas appuyé sur R1. Faut vraiment que je fasse plus attention. Hein. Parce qu'avant je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'appuie sur R1 pour switcher de stance, mais en fait ça switch pas. Et j'étais dans la merde. Vraiment que je sois rigoureux sur le R1. Alors lui il est gratuit avec un Kusarigama, mais j'ai pas de Kusarigama sur moi, j'ai qu'un tonfa derrière. Du coup je vais le faire avec ça. Ça passe hein, le glaive c'est sympa hein. Oh, il y a les Odashi qui sont bien aussi, attendez. Lui il a un Odashi, ça se trouve il en aura un bon. Parce que autant les Tonfa c'est sympa et le glaive ça a l'air marrant. Les Odashi mon ami. Oh, il m'a pas lâché son Odashi, dommage. Mais je t'avais dit, il fallait prendre le glaive dès le début. Alors, les Tonfa sont quand même craqués. Pas mal parler des Tonfa. C'est quand même super stylé de combattre avec des... Comme si tu combattais au point. Faut pas me dire que ça va pas un minimum de charisme. J'aurais dit que... Il y avait un truc caché. Ah bah un Kodama. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais j'ai un shiny. Hein. Je prends un shiny tantôt, gratuitement. Je sais, c'est assez rare de connaître quelqu'un qui a un shiny, du coup. Je vous fais cet honneur de me connaître, quoi. GG à vous. Mais tu sais ce qui est encore plus dingue, c'est que vous savez que j'ai cligné le jour 110. Vous savez ça. Alors là, on va prouver qu'avec le tonfa, c'est plus compliqué. Il m'a touché, c'est forcément plus dur. Avec le glaive, il m'a même pas touché. Ok, Wifa a raison. Mais les tonfas c'est quand même plus la classe. En fait l'arme est sexy, mais les tonfas c'est les mouvements qui sont sexy. Bon j'avoue que les mouvements du glaive aussi sont sexy. Bon d'accord. Oh Kurama. Tu nous as pas dit que t'étais level 110. Comment ça je suis level 110? Bon, j'avoue que si chaque kilo c'est un niveau, quelque part je suis au 110. Je suis levé 110. Ah, apprends à lire. Alors lire c'est très compliqué. Tu devrais le savoir, Wifa. Puis on est tous allés à l'école, on sait tous que lire c'est hardcore quoi. Alors il n'y avait pas une route par là avant. Si. C'est juste que la route elle est pétée. Il y a un Sudama. Il faut venir par ici. Par là-bas, c'est un cul-de-sac. Il y a une échelle par là-bas aussi. Du coup, c'est par là. Et mec, comment je fais le type? Genre, du coup, c'est par là. Il est au niveau 29. Je suis quel niveau, moi? Niveau 36. Putain, il est niveau 29 ici, quoi. Niveau 38, il a un Odashi. Let's go. Wouah, il m'a lancé un shuriken, il doit être trop fort. Je
suis mort. Oh, il m'a défoncé. Piano, panio, 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 panio. Moi, c'est ça que j'ai lu. C'est juste ou pas? Je vais voir de l'eau. Panio, panio ou pas? MDR. Panier, piano. Panier, piano. Mais barrez-vous avec vos phrases, c'est trop dur. Moi, tout ce que je sais dire, c'est salut. J'espère qu'il en... Ah! J'avais complètement oublié. J'espère qu'il est encore là. Comme ça, je pourrais réessayer d'avoir son truc. Ça balaye bien, hein. Parce que ça, c'est un truc qui aurait été compliqué avec d'autres armes. Ah merde. Dites-moi qu'il est encore là, que je puisse me venger. Putain, c'est vrai que quand il te tue, il est plus là, j'ai oublié. Putain, mais la prochaine fois, je ferai très attention. Parce que là, j'ai vraiment joué comme une merde. J'ai oublié ce petit détail. Un petit détail. Petit détail, petit détail. Pas un petit détail, quoi, au final. Bon, tant pis. J'ai envie d'avoir un bon Odachi, mais c'est comme ça qu'il faut looter. Oh, c'est quoi ça? Il y a une arnaque ici. En fait, c'est la musique qui me fait douter, comme s'il y avait un problème. Alors qu'en fait, il n'y a aucun problème. Je vais quand même faire ça. Parce que quand on utilise des pouvoirs, ça nous fait gagner des points de skill de magie. Faut que je la tue, elle a l'air de s'amuser, ma pauvre. Mais elle fait peur! Franchement, vu qu'elle fait peur, j'ai bien fait de la tuer. On est tous d'accord, quand c'est moche, c'est forcément méchant. Du coup, comme bon américain qui a regardé Disney quand il était petit, pas américain, on tue les vieilles, quoi. Je suis sûr qu'elle était en train de coudre, mais avec les entrailles de ces cadavres, là. La pauvre, elle te regardait en mode, mais pourquoi? Putain, alors que tu le dis, c'est vrai, un peu. Mais elle était moche, hein. Du coup, j'ai forcément bien fait. N'est-ce pas? Avouez, avouez. Oh, un Shudama. C'est un Kodama, mais enculé. Alors attendez, je vais le saluer. Comment on fait? Je peux pas le... Ah, c'est bon. Comme s'il voulait quelque chose. On va lui donner une arme pour changer, pour voir s'il peut pas me donner une arme lui aussi. Ah, mais j'ai Otachi d'Ipondatara. Ah, mais il est niveau 10. Ah, mais faut que je lui donne un truc au niveau, sinon il me donnera de la merde. Ah, oh, j'ai une pioche. Franchement, je vais lui donner cette lance. Ouais. Oh putain, mais j'ai que des bonnes armes. Bon, je vais lui donner la hache. Ah merde. Je me suis déséquipé de... Ah merde, j'ai fait quoi? Ah, je me suis déséquipé des tonfas. Merde. Voilà, arme. Je vais trier par niveau.
Vas-y, oh mais le pic, je pourrais lui donner un pic, ça a l'air trop bien. Mais c'est niveau 29 et je vais pas jouer avec. Du coup, je vais lui donner en espérant qu'il me donne un bon truc. Ah, mais il est bleu, j'aurais dû lui donner un truc violet. Vas-y, donne. Un arc bleu. J'aurais dû lui donner une bonne couleur. Ouais, peut-être c'est un bon arc. Ah, c'est un bon arc, j'ai rien dit. Ah, j'ai des skills de. Oh, j'ai des skills de glaive. Regardez, on va s'amuser. Parer l'attaque. Oh! Contorsionnez-vous pour cumuler de l'énergie et porter deux coups successifs verticaux. Ça, je vais prendre. Passez à la guillotine, au glaive, puis à la faux sans cesser d'attaquer. Comprends pas. Du coup, je vais le prendre pour voir ce que ça fait. Maintenir triangle, maintenir triangle. Pas dégueu. Ah, vous voyez, j'ai un point de magie au Mio. Ah, je peux toujours pas prendre ça. Du coup, je vais garder le point pour acheter ça. Ah, c'est le début du jeu. Ça, c'est parfait. Je vais aller prendre mon niveau. Il est où le... Pardon, elle m'a quand même jeté son couteau, hein, comme quoi. Hein. Vous avez dit, c'est horrible. Ouais. Sale pute! Il y a le petit chat, on va le laisser tranquille pour le moment. On viendra le chercher plus tard. Elle m'a fait flipper la connasse. Moi j'aime pas combattre dans un huis clos. On va le ramener ici. Bien. Mais... Oh là là, il va tellement me tuer, je sais pas pourquoi.
sais pas pourquoi, dans une petite salle, t'es moins à l'aise. Hein. Ah, je sais pas pourquoi, je sais exactement pourquoi. Parce que justement, on est dans une petite salle. Eh oui. Du sel, hein. J'ai looté du sel. Hein. Et je me rappelle bien, le sel c'est bien, parce que ça retire les zones yokai, mais bon. C'est pas comme si on avait utilisé les objets, quoi. Prends encore les salopes aux boobs. Je vais attendre de la trigger. Viens par là. Aïe. Putain. J'essaie de jouer et elle me laisse. Oh. Aïe. Oh putain, mais j'avoue, j'oublie qu'elle fait mal. Oh, entre les deux seins. Du coup, la différence entre les armes bleues et les armes rouges, c'est quoi? Bonne question, en fait, les armes rouges. Poète, 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 poète. Poète, 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 poète. Font plus poète que les autres. Ah! D'où? Mais d'où? Ah, il est là. Ah, fait pas poète du tout d'ailleurs, elle est jaune. Je sais pas pourquoi j'étais en mode ces statues sont des salopes. Genre il y avait un piège ou quoi, mais en fait il y avait rien du tout. Putain, mais l'arbre reste en feu très peu de temps, hein. C'est vraiment de la merde. J'aurais pas dû descendre ici, c'était peut-être un piège, mais heureusement s'il y avait rien de spécial. Jamais faire ça. Poète, 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 poète. Tananana. Les armes rouges, tu peux loot du poète. D'accord. Confiance en toi, hein, du coup, je dis oui. Une arnaque. Depuis que ce jeu a commencé à mettre des arnaques, je panique. Hein. Parce qu'il m'a mis le mind game une fois, et maintenant je suis à chaque fois en mode mind game. Tu vois, ces statues, j'étais en mode normal, ils vont faire un truc. En fait, alors que rien du tout, en fait. Juste des statues, tu vois. Just a statue. Stay tuned. Stay tuned. Tan, 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 tan. Ah mais putain, il me reste peu de vie. On prend un élixir. Je le donne. Tan, tan, tan. Ah tu vois, il m'a mis le mind game. J'ai paniqué. Oh non. Je suis tombé. J'ai même pas touché. Quelle merde ce jeu. Quoi? J'ai dashé. Oudo! Je suis mort. J'ai gardé mon sang froid parce que je fallait pas dasher dès que la paralysie était terminée. Fallait dasher un peu après. Je le sais parce que je me suis déjà fait avoir. J'ai mis la garde par contre cette fois. Pourquoi je galère contre cette salope? J'ai dashé! Mais sa poitrine m'hypnotise! Pas du tout. Je cherche des excuses. Mais what? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, le connasse! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. Je suis empoisonné en plus.
Oh, je suis trop déçu de moi là. J'ai utilisé. Oh putain. Je vais faire pipi. Pousse. D'accord, pousse. Vas-y, va faire pipi. Rien n'arrivera. Par ma mort, il va rien se passer. Yo. Tudum. Tom. Ouais, censé se passer comme ça. Un raccourci. Raccourci moi. Ah bah voilà. On arrive à un feu. Ah, c'est parfait. Et du coup j'ai tout fait ici hein. Je me rappelle plus. Attendez, avant de prendre le feu, juste pour être sûr qu'on a rien raté. Et que je peux aller au feu sans regretter. Parce que je suis venu de là. Parce qu'en fait c'était au-dessus de la zone de tantôt. Hein. Si je tourne un peu. Ouais voilà. Là il y avait. Voilà, il y avait le toit. Et en fait t'avais le pont là. Et moi au lieu de prendre le pont, je vais au feu. Et en fait j'ai un raccourci ici à gauche. Avec le tronc d'arbre. Yes. Qui m'y amène plus rapidement. Parfait. Y a pas de Kokiri, j'allais dire. J'ai pas un item présence de Kodama. Plutôt faire comme ça du coup. Bah, j'ai rien qu'à présence de Kodama, ça craint. On va looter une trousse de soins un peu plus haut niveau quoi. Flèche d'anima. Constitution à 10. Oh, mais cette musique est incroyable que je la remets. C'est tellement beau. Oh, et bonne année. Minuit. C'est vrai, quelque part, bonne année. Hatchet. Il a des tonfas. Ah, il a des tonfas, il est niveau 40. Et je croyais que je peux le tuer. Moi, je pense que non. Yep.
Putain, le bâtard. T'as un beau combat. Ah, il m'a pas lâché son tonfa, dommage. Un point. Oh, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Oui, oui. C'est tellement beau. Oh non, non. Mèche de cheveux gris. Douté. Mèche de cheveux gris. Elle s'est pris ciseaux dans le fion. C'est une version améliorée de pique dans le cul. Non, pas la paralysie. Je peux même pas l'attaquer, regardez. Ça fait vraiment chier. Fallait le combat dans un endroit qui fait aucun sens, quoi. Il y a un petit là. Un autre petit là. Il y a un gros là. Alors, je vais vite voir si j'ai pas looté des meilleures armes depuis le temps. Tonfa. Ah, j'ai ouvert un nouveau glaive artisanal. Il est meilleur. Ah, mais pas meilleur, meilleur. Mais parce que là, j'ai l'affinité. Mais en vrai, il est meilleur. Attaque de mêlée critique plus 7%. Réduction de kit de base. Dégâts de kiff d'attaque forte. Regarde, j'ai quoi des dégâts attaque moyenne. Ah, ouais, il fait dégâts attaque moyenne plus 5%. Ça se craquait. On va aller t'équiper pour voir. Ah, il est différent. Il est stylé. Là, je suis sur le toit du stage. J'y arrive par derrière, en fait. Comme dans la vraie vie. Non, je rigole. Je n'arrive pas, je n'arrive pas par derrière. Je ne suis pas ce genre de personne. Moi, j'affronte de face. Quoique, ça a l'air quand même bien par derrière là. Ah, mais si je dois descendre, je peux pas remonter, c'est ça qui me fait chier. Là, je vais descendre combattre. Et après, faut assumer un V plein quoi. Ouais, je peux. Pire, ces bâtards. Quoi? Pourquoi j'ai pas touché la tête là? Arrête de bouger, bordel. Putain. Gros crâne, quoi. Bon, on fait quoi? De toute façon, j'ai pas beaucoup de pognon. Je peux descendre et si je meurs, bah GG. Ah, il y a une... Vous savez quoi? Je vais descendre par là. Vérifier qu'il n'y a personne. Non, c'est bon. Du coup, je peux au moins attaquer ce type par derrière. Merde. Je me suis trompé de dash. Oh putain, il a failli me défoncer. Moi aussi je peux faire ça.
Ah, en plus, c'était lui qu'il fallait tuer. Parfait. Oh, j'ai géré. C'est lui qu'il fallait tuer dans la zone. Pour libérer la zone du démon. La zone c'est full démon quand même. Hein. Cet endroit fou. Elles font flipper, c'est chiant. C'est trop chiant, elles font trop peur. On va essayer cette parade. Voir si elle est bien. Parfait. Comment ça? Qui entend? C'est mon perso qui a fait ça? Cette maison, on peut pas rentrer dedans. Hein. Ok. Ah! Pierre aiguisé. Je sais plus à quoi sert les pierres aiguisées, mais c'est peut-être pour améliorer une arme. Peut-être les dégâts un peu, je sais plus. I don't recall how it works, man. T'as un démon, il a un faux coffre. Ouais, je le savais. Ça avait l'air trop facile pour être vrai. Non, pas les tonfas! Oh! Je savais qu'il fallait que je switch au tonfa. Je pensais qu'il serait au glaive. J'ai oublié que c'est mon arme principale, tonfa. Du coup, il était au tonfa. Dark, les tonfas, c'est imbloquable. C'est pour ça que c'est craqué, les tonfas. Mais ça stun pas beaucoup les boss. Mais c'est très fort. Fait chier. Et je sais pas du coup qui existe encore et qui a disparu. J'ai l'impression que les mobs ont presque disparu. Pas tous en tout cas. En tout cas, le gros saint il est plus là. Hein. Yes. Le gros saint il est plus là. Et là. Il y avait quoi dans la maison du gros singe? Il y avait quoi si on passe par en haut? Par le trou? Parce qu'il y a un étage, non? Ah non, tu peux pas. Il y a une vieille à l'intérieur, non? Je panique sur tous les trucs parce que je sais plus qu'est-ce qui était dans la zone démoniaque, qu'est-ce qui était pas. J'espère que les musiques vous plaisent. Hein. Parce que moi, j'ai beaucoup d'efforts dans ces musiques. Bah non, parce que c'est pas moi qui les ai fait, mais... Je veux dire, je sais qu'elles sont trop bien. J'ai dit... Oh, je voulais dire tonfa, mais... Mais au final, ça va pas marcher.
T'as vu les tonfas dans tes dents? Quand même bien les tonfas. Parce que tu peux mettre des coups de pied et des tatsumaki dans les gens. T'as vu les coups de savate que je lui ai mis? C'est ça qu'ils font avec les tonfas. T'as pas ça avec les autres armes, vraiment, de mettre des coups de pied. Et t'as un bruit d'impact que t'as pas avec les autres. La plupart des armes, c'est du tranchant. Celle-là, t'as vraiment le... Tu gifles l'ennemi, quoi. Tu sens qu'il vole et t'as le plat du pied qui vient lui faire pas sur le visage. Trop bien. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. Ah mais du coup tout est fait. Bah oui. Du coup en fait je suis mort vraiment à la limite d'avoir terminé quoi. Mais merde, je suis pas monté. Laisse-moi. Mais what? Je vais mourir. Sur un putain de gaki. Tout ça parce que des fois j'étais sur l'arbre, des fois j'étais plus, on était plus dans le même plan pour se combattre. Salut. Oh putain, je suis arrivé là en même temps que la musique s'arrête. C'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Je peux prendre un point de ninja. C'est quoi ça? Oh, ça, ça a l'air bien. Je vais prendre. C'est la foudre. Après, je veux ça, moi. Je veux préparer un Junsu qui me permet de survivre à la mort. Hybride. Augmente les quantités d'amrita obtenues en yokai. Augmente la durée de la mutation yokai de 14% dans le royaume démoniaque. Des fois, je lis un truc, je vois que c'est bien et j'essaye même pas de voir les autres. Parce que de toute façon, au final, on achètera tout. Je voulais faire quoi? Préparer le jutsu. Ça coûte 2. Oh là là. On va tout retirer. Et on va en préparer 3. Merde. Yes, on va le laisser en bas. Plume de Raijin. Weekend. On va quand même faire des bombes. Une bombe. Les antidotes, du coup, je les ai plus. Alors, voyons voir les plumes de Raijin. On va tester juste avant de y aller. Il me faut un ennemi pour test. Ça fait beaucoup de dégâts d'endurance. Bon, ça fait pas de dégâts, beaucoup de dégâts en soi, mais ça fait beaucoup de dégâts d'endurance. Du coup, c'est par là. Oh, pas lui. On va voir si avec la... Taras! Quoi? Quoi?
Nul. Jeu nul. Pouette, 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 pouette. Tan 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 tan. Putain, celui-là c'est tellement le pire mob. Non. What? Oh putain. Je pensais être mort. Mais du coup, je peux leur tomber dessus. Yo, I guess. Oh, lui, il a l'air trop fort. Je vais lui péter la garde. Bla bla bla, la gorge, mon ami. Il était zéro. T'inquiète pas, chapeau. Je suis là pour te récupérer. Viens. T'as pas du tout confiance en moi, mais ça ira. On a presque tué plein de monde. C'est presque bien ce qu'on a fait, mais c'est pas tout à fait bien.
Allez, chaton. Quand tu vois des petites vieilles qui tricotent avec le sang des ennemis et les intestins grêles de nos adversaires, faut faire ça. Puis ça et ça, chaton. T'as compris, chaton? On dirait qu'il a compris. Ah vite, il me reste pas beaucoup de buff du chaton. Faut qu'on joue. Oula. Bah faut qu'on joue, mais faut pas déconner. Hé, le jeu peut pas me baiser, moi. Moi, je connais mieux le jeu que lui-même. Je l'ai défoncé. Avec des compétences de ninja en plus. Ah mais merde, maintenant j'ai plus rien pour l'attirer. Merde. Elle fait chier, hein. Poète. Premier mon chat, on dirait moi quand on me dit à table, putain. Toi aussi t'arrives avec tes petites pattes et tu fais manger. Ou alors si tu parles des gros yeux. Est-ce que t'étais du genre à finir le repas de tes frères et sœurs à la maison? Je sais plus si t'as des frères et sœurs d'ailleurs. Est-ce que tu croyais qu'on peut backstab une Lamia avec une queue aussi énorme? Moi je pense qu'on la rattrapera jamais. Oh si! Comment j'ai fait pour tout rater dans ma vie? Il y a un grand frère qui habite plus chez moi depuis des années et une grande soeur qui habite chez moi. D'accord. Ah, t'es la plus petite! La plus petite de tous. De tous. Faire tomber. Ah mais ça c'est le début du jeu! Bah oui. Du coup t'es la chouchou, n'est-ce pas? C'est le mec qui veut faire chier. T'es la chouchou là. Un coup d'ama. Putain, j'ai toujours pas le message que j'ai tous guidé, c'est-à-dire qu'il reste encore un coup d'ama. Ah. J'espère que c'est pas trop la baise. Oh ça va. J'ai une vieille possédée. En fait la vieille, tant que t'as une arme qui attaque assez vite, elle peut rien te faire parce que tu la hit-stun avec tout. C'est ça qui est bien avec la vieille. Avec la vieille. C'est ça qui est bien avec la vieille. C'est que tu peux la hitstun. Ok. Par là c'est le démon. Oh putain. Attends, pour toi j'ai encore une meilleure idée. L'exécution ma grande. Merde. Merde, j'ai encore raté.
Exécution, j'ai dit. J'ai dit exécution. That's how you do it, baby. J'aime trop les fusils dans ce jeu parce que la manière dont ils rechargent, c'est trop excitant. Ok, j'ai tout fait. On va retourner du coup au tout début. Clear la zone avec tout le loot. Et après, on prend le sanctuaire du tout début parce qu'ici c'est un raccourci. Et on vient direct ici. Quoique c'est un raccourci, c'est compliqué d'y aller. Hein. Ah, quoique, on est à droite direct. Et puis. Ah non. Merde, je sais plus où est le raccourci. Du coup, t'arrives dans cette salle, c'est à gauche direct. Yes. Bon, c'est pas le meilleur raccourci du monde, mais. Mais on va dire qu'on a pas le choix. Ah, j'ai pas vu. J'ai fait tomber l'échelle déjà. Non, c'est faire descendre. On va descendre. Oh putain. Non, non. Oh, il est trop malin. Mais est-ce que t'es assez malin pour ça? Oh, il a pris tellement cher, le pauvre. Tellement triste pour lui, quelque part. Ah merde, j'ai pas looté tout là-haut. D'accord. Oui, le petit bébé. C'est ça. Merde, attends, mais. Oh, est-ce que toi aussi tu pleures ta race? Non, regarde. Le truc de gamin. Est-ce que toi aussi quand un bébé tu pleures ta race? Mange de la purée pack 8. En fait c'est un raccourci vite fait quoi, parce que bof hein. Là faut mieux que je porte mes couilles et que je clear la zone hein. Sans mourir quoi. Là j'ai tué tout le monde, ce serait parfait que je clear quoi. Que c'est une bonne idée de descendre par là. Non, non! Lui, je le connais. C'est pas drôle de le combattre. Comment ça? Dis pas qu'il a perdu. Ah c'est bon, il a encore perdu.
Yes. Ça a clear la zone. J'avais pas envie de continuer dans une zone démonisée. Oh, ça s'est mieux passé que je le pensais. C'était un peu brouillon, c'était un peu de la merde, mais au final, on sauve un Kodama. C'est tout ce que je retiens. Poète, poète, poète. Poète, 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 poète. Oh, le raccourci! Le vrai! Tiens, je suis tellement heureux que je vais te donner une arme violette et tu vas m'en donner une autre. J'ai remarqué que quand je lui ai donné une arme de mêlée, il m'a donné une arme de distance. Alors si je lui donne une arme de distance, est-ce qu'il me donne une arme de mêlée? Niveau 6? Non mais vous triez par niveau du coup. Hein. Mais par contre je vais lui donner un violet. Sois content s'il te plaît, m'attaque pas. Ah il est heureux. Et des fois il est pas content, il m'a envoyé des spells de foudre. Ah tu vois, il m'a envoyé une lance violette. J'avais raison. Oh un sanctuaire. Même pas besoin du raccourci. Ce jeu il passe pas un gamin. Parce que comme il a dit, il suffit de porter ses couilles et tu es récompensé. Alors c'est quoi les stats de cette arme? Glaive c'est magie! Pas dingue hein. Vos dégâts de mêlée d'attaque de 3% quand vous payez son maximum avec un glaive équipé comme arme principale. Comment tu fais? Pas compris. R1 plus carré après une autre attaque. Toucher forcément, non, dans la cinématique il touche pas, c'est posture moyenne hein. Haute et basse seulement. Ok, je suis vraiment un connard. Mais ça craint parce qu'en vrai j'utilise pas la recharge du ki du coup. Ah si, je peux quand même le faire.
J'ai des points de magie, mais c'est pas là qu'il faut que je les utilise. Ah mais de toute façon je peux pas, parce que c'est pas ça que je veux utiliser, on est d'accord. Je vais utiliser d'autres trucs. Points de ninja. C'est ça que je veux acheter, on avait dit. Je peux pas l'acheter de toute façon, pour le moment. Il y a des trucs intéressants. Ça c'est la flotte, ça c'est le feu. Ça c'est les bombes Higa. Mais j'ai déjà des bombes. Puisque que les bombes Higa sont meilleures. Explosif 2, bon bah shrapnel, ah d'accord. 2 de surface. On va check comme ça parce que c'est plus simple. Qu'est-ce qui Kuna, lancer de shuriken, technique de lancer. Kuna de tempête, poison, poison, remède, pilon anti-poison, maître du poison, augmente la résistance au poison contre shuriken empoisonné, feu de surface toxique. Ça c'est. Ok, c'est pour piège de poison, boule de Sigu. Dissimulation, augmente les dégâts infligés par les armes à distance ou les armes d'objets de lancer. Voleur furtif, l'ennemi laissera un butin d'objet si vous parvenez à réussir une attaque suronoise. Illumination, permet d'exécuter un ninjutsu sur vous-même plus rapidement et d'augmenter la durée de ses effets positifs. Ah, ça c'est bien ça. Ça, on va plus vite. En fait, tous ces trucs là c'est très bien. Shuriken paralysant, remettre pilule aux 7 herbes. Maîtrise de la paralysie, feu de surface, coquille, Makibishi. Permet de créer des Makibishi. Ah oui, c'est ça. Peut-être sprint. Réduit le ki consommé par un sprint de 5%. On va prendre ça. Flash, on a la vitesse de course de 3%. On prendra ça après. Évitation, boule de fumée. Changement de rapide. Ah oui, ça c'est justement ce que je veux acheter. Maître d'outils ninja. Capacité ninjutsu, c'est bien. Et de lynx. Pas de créer des parchemins. Et de lynx. Okay. Peut-être transformation en Kodama. Sérieux? Kodama! Ça ne sert à rien, mais on est à Kodama. Ce qui vous permet d'être ignoré par les ennemis. Ah d'accord. Je pensais que c'était vraiment useless, mais que c'était trop bien du coup. Il restait plus grand chose à check en plus. Endurance. Les dégâts continuent au poison de 6% et au feu. Et au, du poison et au feu. Ok. Fragilité. Saboteur augmente les bombes et les shrapnels portée de 1. Artisan artificier augmente les dégâts des bombes. D'accord. Pièce de Rakansen. Permet de créer des pièces. Ah ok, c'est pour jeter son argent. Guérisseur augmente le nombre d'élixirs pouvant être portés de 1. Pile de puissance, permet de créer des pilules de puissance, ces pilules augmentent les dégâts de ton monde. Oh mais ça c'est très bien, faut aller chercher ça, mais tellement loin. En bas à droite, très bien. Magie d'Onmyo, tant que j'ai un point pour ça c'est bon, du coup on peut faire le reste. On va check comme ça ce qu'il me faut, hein. Les talismans en fait. Il y a talisman de ralentissement, non c'était lequel, distorsion. Non c'est pas ça. C'est quoi encore talisman de ralentissement là? Torsion, non, cet objet vous transportez directement au dernier. Non, purge d'âme, non, sainte libération, point, richesse, carnage, chololi, explosion, esprit, paresseux. Cet objet réduit fortement la vitesse de déplacement de votre ennemi, c'est ça, hein. Paresseux. Et il faut aller par là. Laissement de purification, du coup. Ensuite, ça. Ah merde, j'ai pris le point que je voulais. Je suis trop con. Je pensais pas que. D'accord. Connard, augmente la résistance contre le royaume Roca mais obscur de 15. Bah, c'est déjà bien en vrai. Un connard en vrai. Ah, mais c'est trop long, c'est quand que ça se finit cet endroit? Moi je travaille demain. De la maison certes, mais je travaille. Vous croyez qu'on va tous devenir gros, moche et perdre tous nos muscles parce qu'on va pas pouvoir s'entraîner pendant plusieurs jours? Moi j'avoue c'est le seul truc qui m'effraie. Tous ces efforts gâchés. Bon, après je dis ça, je gâche aussi mes efforts en mangeant des bonbons. Mais les bonbons c'est bien. En vrai j'en mange pas, je mange. Pourquoi je repars par là? Le coffre là-bas il est ouvert. Bien sûr qu'il est ouvert. Mais je m'en rappelle très bien, mais pourquoi je reviens? Je suis trop con. Je suis trop...
trop con. C'est juste que tantôt j'étais super proche du feu et j'y suis pas allé parce que je savais pas quoi. Ça me brûle si je touche cette arme, non? Tant toi viens ici vite avant que tu sois avec tes potes. Oh! En vrai, on va tous finir, gros. Oh, au secours. Le pire, c'est que t'as raison, et c'est ça qui m'effraie. Mais j'ai Clean Ranger 110, du coup, je m'en fous. Franchement, j'ai limite envie d'arrêter le sport maintenant. Être en mode, moi, ouais, j'ai Clean Ranger 110. C'est suffisant. Franchement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est Clean Ranger 110, ouais, quoi? À part moi. Dis pas Caillou, parce que Caillou, ça compte pas. Caillou c'est moi, c'est pareil. Je suis mort. Putain! J'étais paralysé par la foudre, c'est pas vraiment moi qui suis mort. En fait, c'est pas moi qui suis mort, c'est genre l'univers autour de moi qui a décidé d'arrêter de vivre dans la même continuité temporelle que moi. Est-ce que vous comprenez la différence? Moi je suis pas décédé là. Si vous regardez bien, je sais pas combien il lève et tout. Oh, Caillou est trop fort, Caillou. Caillou il soulève plus que moi. Caillou il fait 110 de snatch et 130 clean jerk. Du coup non, je connais que toi. Nice. Ouais, Caillou il rigole pas. Caillou c'est un moine Shaolin hein. Il faisait du sport avant de... Il faisait un art martial trop stylé. Je me rappelle plus c'était quoi le nom. Il était parti faire un stage en Chine et tout. Ils l'ont martyrisé le pauvre. Putain mais qui envoie la foudre comme ça? Zeus là, stop. Karaté, Jujitsu, Jodo, Judo, Jodo j'ai dit. Non mais un truc différent, un truc de vrai guerrier. Avec des noms bizarres que personne ne connaît. Comment je l'ai stoppé lui. Comme quoi, peu importe l'arme qu'on a, on fait toujours la même attaque. Carré quoi. Quand il parle mal. Oh, un Kodama. Dites-moi que c'est le dernier. Vous avez amené tous les Kodama à la maison. Tous les Kodama à la maison. Je sens que là, je vais devoir. Oula. C'est-à-dire, je vais devoir rusher parce que. Pour arriver à l'endroit du boss. GG pour les 40 000 points de chaîne. On va combattre la foudre. J'ai dit 40. Oh, adieu. Bah, je vais le laisser me tuer pour autoflagellation. Comment ça, du poisson cru? C'est pas si facile que ça de découper du poisson cru. Hein. Moi, je vous le dis. Yep.
Merde. Nice. First try. Ça fait plaisir. Attends, juste avant, la bouffe ta foudre. Et on... C'est le Clinger qui a 110 ça. GG, merci Wi-Fi. Il a la voix de Freezer. J'ai tué mon propre frère. J'ai envoyé mon éléphant lui marcher dessus. すん炎さんに栄えしよくや世の亡き後は盟友らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれ。
Tu as tué ton propre frère Ashtat. Il devait mourir. すげえぞ、秀之助。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか?4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。 Posséder comme d'habitude, parce que ce jeu c'est un jeu de posséder. Possédé par Rokugesso via la division de l'esprit. Très bien. Ça s'est bien passé.戦い。東吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。 Putain, mais Vargas, il a trop raison. Il ressemble au mec dans Ghost of Tsushima, lui. On parle de lui, on est d'accord. De Tokishiro. Bonsoir Vargas, d'ailleurs. D'ailleurs, Vargas, est-ce que tu savais que j'avais Clinger 110? Ça va rien dire, c'est pas de quoi je parle. Oui, c'est vrai, c'est vraiment que j'y pense, que Ghost of Tsushima, j'ai vu quelques... La cinématique, le dernier trailer qui est sorti. Et... Par contre, le dernier trailer qui est sorti, c'était en anglais. Et en plus, la synchro labiale, elle collait trop à l'anglais. Est-ce que la VO, c'est en anglais? C'est même pas en jap? C'est horrible. Bien sûr, je savais. Oh, le meilleur. Parce que, franchement, c'est honteux. Tu fais ça dans tout un setup, dans tout un univers... nippon. Tout ça pour faire une VO anglaise. J'espère qu'on pourra mettre une voix jap. Je veux dire, juste parce que ça casse trop le truc, c'est trop bizarre. Est-ce que je t'avais dit que j'avais un shiny aussi? Le seigneur Nobunaga pourrait bien nous hisser au rang de seigneur samouraï pour avoir vaincu Yoshimoto. Il faut savoir se montrer, même quand on n'a pas le statut social ou l'héritage familial. Si nous sommes assez courageux pour participer et faire nos preuves, nous pouvons vraiment atteindre des sommets. Ce Nobunaga, je l'aime de plus en plus. Quant à sa splendide petite sœur, Dame Oishi, je pourrais jurer qu'à cause d'elle, mon cœur a eu quelques ratés. Nous ferions mieux de faire de tout notre possible pour continuer à les impressionner. Calme-toi, Tokishiro. Je suis le personnage principal. Oh, il y a tellement de quêtes secondaires qui ont pop. Mais ce sera la prochaine fois. Là, je vais juste aller au sanctuaire et prendre un niveau.